Bonsoir, bienvenue à la Maison des Associations. Je suis José Ouarou, le directeur de Saint-Nazaire Association. Et ce soir, je suis content de vous accueillir avec Eddy Leclerc, mon président, afin de vous présenter un programme qu'on espère très intéressant dans le cadre d'un événement très fort pour nous, puisqu'il s'agit des 40 ans de Saint-Nazaire Association. Les 40 ans, effectivement, hein, on considère qu'aujourd'hui c'était une opportunité de traiter de cet événement. Alors si on le fait, c'est non pas parce qu'on a la crise de la quarantaine, hein, comme ça peut arriver dans certains cas. Nous, on considère au contraire que c'est un événement important et qu'on va profiter de cet événement-là pour pouvoir mettre en valeur tout le mouvement associatif à Saint-Nazaire, à la fois les associations et tous les bénévoles, bien évidemment, qui y travaillent. Alors, pendant ces 40 ans, chers internautes, on va retrouver un programme assez important avec des moments qui sont prévus pour différents publics. Alors, comme ça, je crois qu'on a prévu à peu près tout pour à peu près tout le monde. Voilà, en fait, on a prévu des temps forts à la fois pour les associations, des temps forts pour nos partenaires et puis des temps forts également pour le grand public parce que c'est important de les convier à toutes nos actions. Et sachez que tout ce qui va être organisé aura lieu dans la maison des associations, Agora 1901. Sur les temps forts, il y en a un qui est immédiatement repérable, qui va arriver très très vite, dès le 20 septembre. C'est l'Assemblée Générale de Saint-Nazaire Association. Voilà, qui va se dérouler cette année en deux temps. Hein, le temps, la partie classique d'une Assemblée Générale. Et puis un deuxième temps qui sera un temps plus festif, avec la participation d'un groupe musical. Donc tu vas dévoiler le nom. Dévoiler le nom. C'est un groupe qu'on a après avoir beaucoup cherché, c'est comme quoi c'est bien de chercher. Donc il s'appelle la Zikabilo, c'est un groupe festif qui va nous faire une musique très sud sur laquelle on pourra même danser. Et ce groupe jouera sur le parvis d'Agora le 20 septembre à partir de 20h. Donc venez nombreux, hein. Ça remettra une ambiance d'été dans un automne débutant. Voilà, et ce sera le moment de prolonger un peu l'été ensemble.